Pense à quoi? Eh, ça va, hein? T'as fini de faire le tour. Ouais. On entre alors quand? Demain, si tu veux. C'est ça. Donc, tu penses que cette nuit-là, genre, on peut tout faire. On dole, on crépit, on carré avant d'entrer ça. Tu peux blague avec les bassins. Quand même, tu es Bami, n'oublie pas. On peut faire ça même cette nuit si tu veux. Alors, demain, 6h, on est là. Alors, association Bassa, Bami, là. Oui. Si quelqu'un de nous a une dernière grand-mère, là, elle part même la chaîne de matériel en dernière, elle fait tout cette nuit. Matériel de qualité. Sinon, ça va. Ça va. Tu sais, je me disais que la maison était petite. Mais c'est pas mal. Quand on avait fait les fondations là, c'était, je trouvais ça trop petit en fait. Mais maintenant, je pense que ouais. Ça va, ça nous convient, petite ou grande. Je vais seulement venir, c'est ma maison. Ça va aller. C'est bien, on a fait un beau pas. Depuis la fondation là, ça va. Donc si on continue le travail comme ça, si tout se passe bien et que Dieu donne la foi et la langue. Peut-être que l'année prochaine, on va sortir de la location. C'est tout mon souhait. Et puis, j'ai remarqué qu'il y a une école juste en bas. Là. Donc, Alice, on peut venir fréquenter. Là, il y a même un hôpital pas loin. Ah non, le quartier s'y est bien entré. Je rappelle quand on prenait le terrain ici, là, il y avait quoi? Il y avait des herbes partout. Le quartier est bien entré, donc on peut vivre là sans problème. On va aller. Mm-hmm. Je demandais quand même que non. Oui. Quand on va entrer. La première pièce dans laquelle on va faire l'amour, c'est ça laquelle. La cuisine, non. La cuisine, comment? Hein? Et la douche? Non, la douche, c'est trop vulgaire. Tout le monde est là-bas. Mais la cuisine, là, sur l'évier. Ah, et donc, en fait, ça, elle est préparée. Elle est débarquée comme ça. Ah, tu as fait. Ah, tant mieux. Et on va mettre Alison où? Quand okay, elle voit les amis, elle va seulement l'envoyer quelque part. Tu penses que c'est facile? Bien joué. Oui, c'est ça. Hey, Alison. Vite rentrer aujourd'hui. On m'a dit que la maîtresse de mathématiques n'était pas là. Ça va? Ah, bien. Ça va alors faire quoi là-bas? Anglais et français. Ok, et tu arrives comme ça, tu n'allumes même pas la télé. Je sais que quand j'allume la télé, je dois voir Nathan TV. Moi, je ne veux pas voir Nathan TV. Alison, genre, je te vise seulement ici. Allume la télé, non, il y a des moments où tu regardes même souvent la musique. Tu ne regardes pas souvent la musique ici. Même prends même tu mets si tu veux regarder quoi. Dépose alors le livre. Tu peux visionner avec le livre. Tu veux manger quoi aujourd'hui? Le riz. Ok, le riz avec la sauce tomate, c'est tout ce que je peux faire pour toi là. Ça va? Dis alors à ton père de partir au marché pour nous, maman. Supplie-le, non? Dis-lui. Papa, je peux, s'il te plaît, je peux partir au marché pour nous. Tu vas t'arriver, le marché sera toujours marché. C'est pas comme si on va déplacer. Je n'ai pas peur. Tu vas seulement partir au marché. Fatigué, dis à ta mère que tu ne fatigues pas pour marcher. Non, papa. Je dors, bonne nuit. Non, papa. Ngo, viens chercher ta fille pour partir au marché. C'est moi. Maman, il a refusé de partir au marché. Encore.
Encore, Alison. Yay! Okay, c'était ta commande. Massa, on a fini le mariage, toi tu manges encore. Mange, Alison. Mange, tu prends le poids. Hein. Demain matin, en te réveillant, il faut que tu aies assis, sois plus grasse que moi. Hein. Bon appétit, mon bébé. Merci beaucoup. Tu as aimé. Ouais, c'était très bon. Merci beaucoup. Même comme tu as refusé de nous aider aujourd'hui, à quoi aller au marché, t'as dépassé. Massa, massa. Pour une fois, ça devient maintenant que c'est monté, c'est descendu. Moi, je ne parle pas souvent. Alison, je ne parle pas souvent au marché avec vous. Moi, oui, je n'ai pas vu. Il n'est pas venu, je suis obligé. Je ne suis pas venu. Vous voulez me taper, vous me tapez. Je vous accompagne pas, mais je mange. Hein? Tout à l'heure, quand tu dormais, j'ai fait ce que j'ai mis dans le congélateur pour que ça se passe. C'est très bon, en tout cas. Merci. Très bien. Je ressens le goût de la mangue. Mm-hmm. La mangue de là, c'était pour quoi? C'était pour Alison, c'est pour moi. C'est pour pimenter le truc. Maman? Oui, Alison. Il est chez lui, Alison. Il est rentré chez lui. Non, il m'a menti. Parce qu'il m'a dit qu'il devait construire sa part de maison et qu'il devait venir faire les vacances là-bas. Depuis qu'il est parti, je ne suis même pas allée faire les vacances là-bas. Ne t'inquiète pas, Alison. Hmm? Tu es beaucoup mieux ici. Demain, on va l'appeler. Hein. Comme ça, tu pourras le saluer. Et si c'est que vous n'avez pas classe le week-end, toi, maman et moi, on va aller voir notre future nouvelle maison. Maman et moi, on était là-bas aujourd'hui. Mais c'est très beau, tu vas voir. Ok, j'ajoute pour toi. C'est bon. Comme je te dis là, papa, j'ai dit que les gens changent. J'ai vu mamie, mamie a grandi jusqu'à. Mamie qui était vers le carrefour là. Voilà. Elle s'est mariée. Massa. Si on te dit que ça fait moins de 2 ans que la fille a ses épisodes, tu vas te. La dernière fois qu'elle était au village, elle était mingili comme ça. Je me demande si elle part au village et veut reconnaître quelqu'un, Massa. Oh, vieillie, hein. Yes! Maman! En parlant même de reconnaître quelqu'un, si tu vois ton frère Hector, tu ne vas pas le reconnaître. Je suis passée voir Hector. Hector est malade. Il dit que quand tu vois Hector comme ça, tu vois directement la mort. Il t'a dit qu'il souffre de quoi? Est-ce qu'il m'a dit, papa? Il accepte même qu'il est malade. Attends, on est tous malades. Là où tu me vois là, moi je suis malade. Ne vois pas comment ils montent et descendent. On est tous malades, d'une façon ou d'une autre. Donc vraiment là, il n'est pas le premier à être malade. Il n'a pas de canal d'or de la maladie, vraiment. Donc chacun n'a qu'à s'occuper de sa propre maladie. Tout ce que je peux faire à mon niveau, c'est un soutien financier. Le reste là, je ne veux même pas être en contact. Je ne veux même pas savoir. Mais peut-être tu dois l'argent. Hein. Toi, tu gères ça avec lui. Donner l'argent comment? Tu parles là parce que tu n'as pas vu Hector. Peut-être comme c'est ma bouche qui te dit là, tu es en train de simplifier. Ah, je sais que c'est moi qui t'avais encouragé à le faire partir de chez toi. Mais vraiment, j'ai réfléchi. Je pense qu'il est temps qu'on le ramène à Yaoundé. Ramener à Yaoundé? Où? Chez qui? Chez moi? Hector encore chez moi. Pardon. Hein. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il ne vient pas pour habiter forcément chez toi. Il vient, on trouve une chambre, on paye le loyer, il reste là. Pour que nous-mêmes, nous nous occupons de lui. Parce qu'en fait, là où il est là-bas, il a abandonné à lui-même. S'il meurt même dedans, qui va crier pour annoncer son deuil? Personne. Moi, Hector, j'ai là, j'ai fait la quantité qu'il pouvait faire sur Hector. Le reste là non. Moi j'ai mes poèmes, j'ai mon chantier, ça doit avancer. Finalement, c'est plus une chose. Et toi ou quoi? Non. C'est mon grand frère, il peut se prendre en charge. Hey, papa, ne parle pas comme ça.
il faut que toi-même tu me mettes l'œil sur Hector. Parce que peut-être ma bouche là ne suffit pas. J'ai appris qu'il y a la dot de Gisèle, non? C'est ta camarade d'enfance, non? Elle t'a pas invité. Elle m'a invité. Enfin, je serai là-bas avec Inès. On a reçu une bien invitation, un truc comme ça. Voilà. En passant, vous vous arrêtez, vous jetez un coup d'œil sur lui. S'il te plaît, mon père. Attends, il y a quand même besoin de parler, toi tu ne veux pas comprendre. Mieux et pas. Moi, j'étais à dire ma position chez toi. Mieux et pas. De toute façon, la nuit va me tomber. Donc, moi, je n'ai pas fait mes choses. Pardon, attends. Je suis rentrée du village avec les. Je donne un peu à Inès. Hey. Toi, c'est un 10. Moi, je suis plus dans le haut des 10. C'est seulement ici qui m'amenait. À part ça, on allait aussi à l'hôtel. Et vous n'avez pas honte de dire ça? Quand il vous amenait ici, vous disait que vous êtes chez qui? Chez lui. La maison, si Hector peut construire ça. Et quand il vous amenait même jusque dans la chambre de ma fille, il vous disait que c'est où là-bas? Sa chambre quand il était petit. Est-ce que ça va alors? Vous ne savez jamais rien. Vous me connaissiez. Avant aujourd'hui, vous m'aviez déjà vu. Quand ce n'est pas Guylaine, c'est Christelle. Quand ce n'est pas Christelle, maintenant c'est vous. Je ne connais même pas votre nom. Bonsoir. Voilà la personne qui peut régler votre problème. Il sait où est votre... Alison. Oui, papa. Tiens, s'il te plaît, tu mets ça à la cuisine. Ok. Ce sont les prunes que tata a déjà donné. Papa. Alison, après tu me retrouves dans la chambre. Ok, maman. Bonsoir. Vous allez seulement faire quoi jusqu'à ce que ma femme soit fâchée comme ça? Ouais, tonton. Je suis simplement venue vous expliquer ma situation. Je suis la copine d'Hector et ça fait près de 8 mois que je le recherche. Au début, il prenait mes appels, mais depuis un certain moment, il ne répond ni à mes messages, il ne décroche plus mes appels. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller. Pardon, aidez-moi. Mes parents m'ont mis à la porte. Ils ont dit que je vienne chercher l'auteur de ma grossesse, qui doit s'occuper de moi et de l'enfant. Qui ne sont plus responsables de moi. Et où je suis là, je n'ai même pas 5 francs. Pardon, mon tonton, aidez-moi. Aidez-moi, je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire. Hector n'a assisté à aucune visite. Je suis à près de 7 mois et demi. Si on doit me faire la césarienne maintenant, même 5 francs, il n'est pas. Pardon, pardon, aidez-moi. Aidez-moi, pardon. Ça va aller. On va trouver une solution. D'accord. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci. J'aime les nausées là qui me fatiguent. Ah. Dieu merci. Je me balade toujours avec ma petite cola. Moi, j'ai pas de soucis. Hein. Vraiment. C'était dans le but, c'est que ça peut aider, ça aide vraiment. C'est pas, il n'y a pas une autre intention derrière, c'est même pas un prêt ou quoi que ce soit. Donc si ça peut t'aider, c'est une bonne chose. Merci infiniment, mon petit. Merci infiniment. Ça ne peut que m'aider. Ça ne peut que m'aider. Parce que dans l'état des choses, je ne pouvais même pas imaginer une telle aide venant de toi. Merci infiniment du cœur. Vraiment, je me sens personnellement touché. C'est la famille.
Donc, c'est aussi ça, c'est important dans la famille. Il faut être là. Si les gens ont besoin de toi, il faut être là. Si c'est que les gens sont dans le besoin, vraiment. Vraiment, tu le montres encore plus sagement. Mmh. Tu le montres comment la famille est plus sensible. Moi, dans l'état des choses actuelles, on ne sait pas ce qui peut arriver, mais je veux réellement profiter de cette occasion pour te demander pardon, mon petit. Pardon, sincèrement. Pardon à ta tante de femme aussi. Pardon à la petite Alexandre, que je t'ai peut-être blessé, même sans savoir. Vraiment, je me sens abattu par cela et je veux vraiment qu'on me pardonne. C'est la vie, hein, Bic. C'est la vie. Il y a des gens. C'est la vie. Il y a des situations dans la vie où c'est comme ça, quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Tu vois, passe seulement une bonne soirée, non, Bic? Merci, mon petit. Bonne soirée à vous. Pour un prompt rétablissement. Merci infiniment, mon petit. Merci. D'accord. Bye bye. Bye bye. Tu me regardes pourquoi? À ce qui paraît, il est très malade. Mais tout le monde tombe malade, non? C'est son tour, après il va guérir. J'ai dit très malade. Vous avez mesuré ça avec quoi? C'est quelle quantité? Tata Nadé, j'estime que ce serait bien qu'il vienne vivre à Yaoundé. Pas ici, évidemment. On se dit que même si on doit lui trouver une chambre, l'idée c'est qu'il soit à côté, de sorte à ce que s'il y a une situation, qu'on puisse rapidement intervenir. Je vois que tu veux retourner dans la prison là, avec ton frère. Moi je ne suis pas là, j'aime ma liberté. Je veux pouvoir me mouvoir chez moi comme je peux, comme je veux. C'est quoi? Dans le petit agent que tu as gardé là pour la maison, tu ne veux plus finir la maison, hein? Tu veux d'ailleurs lui donner ça, il va ouvrir quoi cette fois-ci la quincaillerie? L'année prochaine, je dois être dans ma maison. Je ne veux même pas entendre quelque chose. Les malades, ça veut dire quoi? C'est maintenant qu'il m'appelle pour demander des excuses. Je m'excuse, je m'en fous de ses excuses. Bonne nuit. Tu veux-tu continuer à l'appeler? Alors, Olimo, ouais, à quoi pas, comme ouais ou? Ça va. Ah bon? Mange à Tingelo. Ça va. Ah bon? Ouais, mange à Tingelo. C'est compliqué. Oh, ça. Où est-ce que tu vas? Comme un docteur. Ah bon, hein? Tu vas à l'hôpital quoi, là, ici, là? Maintenant, comme moi, déjà. Je ne suis pas d'abord maman de ta famille. Tiens, on fera mon tour de mi, on vient Bumba. D'accord.
Hey, carrément, tu es un sac de danseur. C'est dans la blague, tu étais lavé les pas comme ça. Hein? Je crois que je suis deux pieds gauche comme toi. Ah bon? C'est comme ça qu'on fait ça. Tchac, 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 tchac. Ça peut être ça. La mine de la carte, tu vas quand même pour elle. Parce que moi, elle m'a dépassé là-bas. Ah oui, oui, oui. Bon, ouais, j'ai pris les cours. Hein. Alors, ouais, oui. Non, c'était une belle cérémonie. On a bien animé l'affaire là. Non, je t'assure. Non, je t'assure. Mais c'est qu'elle a bien fait de se marier. Hein. Mm-hmm. Parce que. On doutait un peu de Gisèle là. Non, non, Gisèle était têtue au lycée, tu te souviens? Elle était têtue au lycée, à un niveau. Non, c'est bien, il fallait vraiment qu'elle se marie. Et si ce n'est que comme ça, là, la dot, c'est que ça. Le mariage, alors, c'est comment? C'est une bonne chose. Et puis, je regarde là, tu... ça changeait. Ouais, c'est... Je te dis, il n'y a pas des trucs comme ça. Il y a deux ans, quand il venait au village, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça. Ce qui est bien, c'est que ça donne une autre allure au village et ça permet qu'on se vende aussi. On peut se vanter aussi à Yaoundé, non? Sinon, ça s'est quand même bien passé. Ouais. Non, moi, j'ai aimé. Et tu rentres quand? Demain, en principe. On rentre demain. D'accord. Et tu es venu avec ta voiture? Heureusement, j'ai eu un souci là. Ma voiture au garage. J'ai eu un souci avec mon tuyau d'échappement là. Je me suis dit que si il prend la voiture, on ne sait jamais. Il peut arriver à Tonga comme ça, la voiture refuse de continuer. Je fais comment? Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je suis venu avec la mienne. Donc, je peux vous laisser demain matin. J'ai encore trois places là. Non, ouais. Comme ça, on évite les tracasseries des agences. Et puis, moi, j'ai des choses à faire à Yaoundé demain matin. Pardon. Ce serait bien qu'on voie moi et toi. Ok, comme tu veux. Tu vas seulement t'avancer parce que j'ai mon frère qui est au village là. Donc il faut que je mette au moins l'œil sur lui. Je ne peux pas venir au village et rentrer aussi comme ça sans le voir au moins. Takam, yes. Mon vieil ami. Non, ça fait plaisir. Madame Takam, c'est aussi un plaisir. Ça c'est mon frère. Un vieil ami, gars. Un têtu au lycée. C'est pas là, voilà. Là-bas. Parce que toi tu te bats têtu. Non, de nous deux, c'est toi le plus têtu. Non, mais c'est ça, c'était un plaisir de vous revoir. On a passé une bonne soirée quand même. Le plaisir était partagé. Donc, prêt. Va te coucher. On se prend, tu vois, au téléphone, non? D'accord, ça va. Ok, ouais. Ciao. Madame, tu vas alors danser là-bas, hein? Tu as les fiches, hein? Hey! Hey! Tu viens là, sac de bassin alors? Tu étais pour vous comment? On fait comment? On part en boîte la nuit. On part. On est au village. Tu vas pas la boîte. Tu as la vie une bassa qui n'aime pas le jour. Tu vas pas la boîte. On est au village. Hector. 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 Arrête un peu ses commandes. Tu vois bien qu'il ne te voit pas. Peut-être qu'il ne veut même pas te voir. D'accord. On m'a dit qu'il est ici. Appelle-le. Hector. Hector. Arrête un peu, non. On est venu ici pour lui. On est venu pour une dot. La dot est finie. Il faut qu'on rentre. Moi, j'ai des choses à faire à Yaoundé. C'est comment? C'est bon, non? Tu m'as vu, non? Voici ce que je suis devenu. Voici où je suis appelé à passer le restant de ma vie. Ça te va? Tata Nadège m'a dit que tu étais malade. Je ne suis pas malade. Elle m'a pourtant dit que tu étais malade. Elle dit que je ne suis pas malade.
Un malade, c'est quelqu'un qui va à l'hôpital, on le soigne et il rentre quand il est guéri. Moi, je suis appelé à faire les va-et-vient, passer des semaines à l'hôpital. Je ne suis pas malade, je suis mourant, c'est différent. C'est ici que je dois passer ma condamnation éternelle. Je n'attends plus que la mort. Peut-être que l'insuffisance rénale, c'est la conséquence ou le karma de la vie face à mes erreurs. Voilà pourquoi je vais profiter de l'occasion. Ça tombe bien que vous soyez là. Profitez de l'occasion pour vous demander de vivre voir mes excuses. Vraiment, pardonnez-moi. Excuse-moi. Tout à l'heure là, je t'ai entendu. Je vous ai vu passer. Sauf que même ma personnalité, je n'accepte plus. Je ne me fais plus confiance. Je ne me reconnais plus. Et je vous demande sincèrement pardon. Sincèrement. Pardon. Excusez-moi. Toujours soin de lui. C'est lui qui est devenu comme ça. Il n'arrivait même pas à parler. Tu penses qu'il ira mieux? Je ne sais pas. C'est mon souhait, c'est tout ce que je lui souhaite. Qu'il aille mieux. Il se dit au village que c'est de ma faute. Que si je ne l'avais pas chassé de chez moi, il ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Tu n'as rien fait. Ce n'est pas comme si il se comportait trop bien. Il n'était pas gentil. Ce n'était pas un ange aussi. Je m'en veux parce que c'est moi qui t'ai poussé à le faire. J'imagine. Personne ne voulait nous parler. Surtout moi. Je suis allée pour saluer les mamans du village. Personne ne m'a répondu.
Je n'ai pas moi voulu lancer la maladie à l'enfant de quelqu'un. Je n'ai jamais voulu du mal de Hector. Je n'ai même pas lancé la maladie à Hector. Est-ce que c'est de ma faute s'il est tombé malade? Tout ce que j'ai fait jusqu'ici, c'est pour ma famille, c'était pour sauver ma famille. Ce n'est pas de ta faute. S'il te plaît, cesse de pleurer. Ce n'est pas de ta faute. Ce qui arrive à Hector aujourd'hui, c'est pas nous, c'est peut-être la volonté de Dieu. Et Dieu saura comment le sortir de cette situation. Ce n'est pas de ta faute. Je m'en veux pas. T'as pas à t'en pleurer. Il serait resté avec nous. Il serait allé au village. Que ce qui lui est arrivé, lui aurait arrivé. Lui serait arrivé. Donc en fait, c'est de la faute de personne. S'il te plaît, cesse de pleurer. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu l'as vu. Ça va, Inès, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu m'as dit que tu avais gardé l'argent pour la maison, non? S'il te plaît, est-ce que tu penses que on peut aider Hector avec? Je vais attendre pour la maison, je te promets que je vais attendre. Ne pleure plus. On va l'aider du mieux qu'on pourra. Mais on va aussi avancer avec nos projets. Ça va aller. Ça va aller. Ça va. Cesse de te lamenter. C'est pas de notre faute. Ça va. Ça va.